on assume sa petite fiesta du réveillon. Moi, le plaid, un manche, la bouillotte, je vais vous dire, je suis en forme. On y va. Hop, 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 c'est l'émission. Allez. Pas de problème. Allez, Agathe, on assume, on y va. Hop. Oui, bah, bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Super. Je suis tout à fait à l'aise. Bah oui. Bon, bah voilà, c'est ça comme va. Si c'était rien passé. Ah, attention, vous avez une mèche. Ah voilà. Voilà. Non, je suis là pour vous. Là, tout va bien. Je suis là pour vous. Oh, heureusement que vous êtes là pour m'accompagner. Cela dit, je sais pas, j'ai le nez bouché, je sais pas ce qui m'a... Oh mon Dieu. Oh, investi. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. De la Saint-Sylvestre. Avant-hier, de la Saint-Sylvestre. Nous, vous voyez, ça fait 48 heures que ça dure. On s'est parmi, on a fait la fête ici, dans la maison des maternelles. Il y avait tous nos copains, il y avait toute notre famille. Et puis, bah voilà, vous permettez que j'aille chercher mes fiches parce que c'est la première de la rentrée. Bah, donc, voilà. Hein. Bonne année, Agathe. Merci. Bonne année non, à vous. Pareil, l'excellent non, début voilà. d'année avec énormément de bonnes résolutions qui sont celles d'avoir mes fiches au bon endroit. Alors, notre deuxième émission, j'ai quelque chose à vous annoncer, va se rallonger. Oui, parce que je ne viens pas qu'avec de mauvaises nouvelles aujourd'hui pour ce premier jour de la rentrée. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 tout à l'heure avec plein de surprises, plein de nouvelles rubriques et tout ça. Donc, restez avec nous. Et puis, dans quelques instants, vous allez découvrir l'histoire troublante d'Estelle. Estelle, 3 mois de suite, elle a eu des symptômes de grossesse, mais vraiment des vrais symptômes de grossesse. À chaque fois, contredit par des tests négatifs. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque les grossesses nerveuses. Vous vous souvenez, maintenant, on appelle ça les grossesses imaginaires. C'est un tout petit peu plus joli. On va essayer de décortiquer ce qui se passe dans la tête de ces femmes qui ont donc ces grossesses imaginaires avec notre expert, Yasmine. Ouais, ah, elle est toujours dans le... Elle n'a pas pris sa bonne résolution. Non, elle n'a pas pris ses... Travaillez. Ok, donc on aura donc avec nous un expert, vous l'avez dit. C'est le docteur Hugo Botman, psychiatre à la pitié... À la pitié Salpêtrière et chercheur à l'Institut du cerveau à la Sorbonne. C'est vrai qu'elle allait voir le docteur Botman, elle lui a dit, vous avez l'air d'être sympa. Ce qui est une bonne manière d'aborder les psychiatres. Bah oui, mais pourquoi pas. Pourquoi quelqu'un est sympa, autant de dire. Mais bien sûr, moi je suis pour qu'on se dise les choses quand c'est positif. Marie-Père Arnaud, par exemple, vous êtes mon petit Renardo curieux, je vous le redis en 2023, vous êtes mon petit Milo. Vous êtes mon petit nez musqué. Alors, pourquoi est-ce que je vous aime autant en dehors du fait que vous êtes belle et intelligente? C'est que vous nous aidez chaque matin. Oui, et tout particulièrement ce matin, car je vais vous donner quelques astuces pour rendre nos enfants les plus autonomes possibles. J'en chialerais. Ouais, je sais. Je pourrais pleurer. C'est-à-dire que, par exemple, ils pourraient ranger. Oui, et vider le lave-vaisselle. Sans que je sois là. Sans votre intervention. J'attends de voir. Benjamin Muller, vous avez coupé les réseaux en 2023? Absolument, c'est fini, je reviens à la bougie et au livre. Parce d'accord, que les livres, c'est important. Pour tout le reste, quand même, on attend vos messages bon, sur les réseaux sociaux, du coup, voilà, je vais quand même devoir les lire. Twitter, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous allez voir pendant cette année. Le rallongement, n'hésitez pas à nous dire si c'est une bonne nouvelle ou si, au contraire, vous trouviez déjà qu'on était trop présents. Et par SM, et par... par Instagram, notamment, vous pouvez aller. Ah, c'est dur. Bah, écoutez, on a tous fait la fête. Hein. Comment mieux démarrer l'année que par le JT de Benjamin Muller? Franchement, je ne vois pas d'autre alternative. C'est on vrai, y va. C'est vrai. Forcément, c'est un grand moment. C'est le premier JT de Benjamin Muller de l'année. Le journal des maternelles qui connaît un tel succès qu'il devient quotidien dans notre émission. Et oui, c'est une info exclusive que je tenais à vous signaler d'ailleurs à l'instant un message. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prendre cette décision de faire un journal quotidien, nous demande Virginie. Écoutez, je n'ai pas la réponse. La flemme. Comme on dit. Probablement. C'était peut-être dû à la flemme. Mais vous allez vous dire, mieux vaut tard que jamais. Tiens, j'y pense pour nos téléspectateurs français. On a un message pour vous de Joe Biden. Bon, ah ouais. Peace, joy, health and happiness this season. But we know for so many of you in our nation, this has been a very difficult year. And we're reminded in this season of hope, our common humanity. Sacré Joe Biden. Écoutez, on va pas le faire attendre. On va ouvrir ce journal, le premier journal des maternelles, avec ce qui va changer en 2023 pour les familles. Ça va vous intéresser. On ouvre avec l'info famille nombreuse. Info qui va particulièrement intéresser les parents de 3 enfants et plus la fameuse
carte famille nombreuse change en ce début d'année. Regardez notre belle carte famille nombreuse. La procédure pour l'obtenir est allégée. La procédure pour l'obtenir est allégée. La demande est désormais à faire en ligne et non plus par courrier. Et cela devrait être beaucoup plus simple de l'obtenir, un beaucoup moins gros casse-tête administratif. Car quiconque a déjà fait la demande de carte famille nombreuse sait à quel point c'est insupportable. N'est-ce pas, Marie ? Il faut s'accrocher et puis la refaire tous les ans. Promesse donc du ministre des Transports Clément Beaune qui déclare qu'il y a aujourd'hui 850 000 bénéficiaires de cette carte et que l'objectif est de doubler cette carte. On rappelle, 3 enfants, 30% à la SNCF, 4 enfants, 40%, 5 enfants, etc. etc. Donc, ça vaut 4 enfants, des vergetures. Des descentes d'organes. Et tutti quanti. Mais au moins, vous payez moins cher au billet de train. Ça, c'est cool. Autre chose qui change en 2023, le grand retour des maths. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais les maths, c'est important. C'est la vie. Bah oui. C'est la vie, ouais. L'enseignement des mathématiques redevient obligatoire cette année, en 2023. Écoutez, tout le monde est un petit peu en mode gueule de bois. On a tous fait la fête ce week-end. Donc on ne va pas se jeter la pierre, on est tous ensemble dans cette même galère. Plus précisément, donc les maths redeviennent obligatoires en 2023, à partir du mois de septembre. Ça va être une belle nouveauté. Pour tous les lycéens de la filière générale, dès la classe de première, une annonce qui vient annuler l'une des mesures les plus controversées de la dernière réforme Blanquer, qui avait été critiquée globalement par tout le monde, sauf par les phobiques des mathématiques. Ici, on aime les maths ? Ah non, ah, pas du tout. Il n'y avait aucune critique sur ce plateau. Vous m'insupportez, on va inviter Jean-Michel Blanquer pour dire qu'on regrette sa réforme. Une info maintenant, non pas sur ce qui va changer, mais sur ce qui doit changer en 2023. Les amis, nos enfants sont crevés, constate une étude de la COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, qui a interrogé 2000 enfants de 6 à 14 ans. Et le verdict, regardez, est simple. 76% des enfants se sentent régulièrement fatigués en semaine à l'école. 84% des préadolescents sont touchés par des difficultés d'endormissement. Et alors, pourquoi ont-ils du mal à s'endormir? Je vous le donne en mille. À cause des écrans. Bravo. À cause des écrans. On rappelle ces conseils, donc, de bon sens donnés lors de cette étude. Il faut éteindre son téléphone bien avant de dormir. D'ailleurs, c'est valable pour nous aussi. C'est ce que j'allais dire. Nous aussi, on est crevés. Mais est-ce que nous, on est tous sur le téléphone juste avant de dormir? Oui. C'est pas bien. Non, je promène le chien. Ouais, c'est ça. Quelle vie palpitante. Non, mais entre la tisane et le plaid. 40%. Autre chiffre, durant les week-ends, une large majorité d'enfants n'éteint son écran, en fait, jamais, mis à part donc au moment du sommeil, voire même se réveille et consulte les réseaux sociaux. Donc, on arrête l'objectif de 2023 pour nous comme pour nos enfants. Moins d'écran, plus de sommeil. N'est-ce pas, Joe ? This season of hope, our common humanity, and what we're called to do for one another. Merci, Joe. Téléspectateurs assidus de la maison des maternelles. Après, il y a tous les bilingues qui se disent n'importe quoi. Oui, mais je ne suis pas bilingue, donc moi, je peux croire que c'est vrai. Oui, ça, c'est laissez-moi sûr. Tranquille. Ça, une chose est sûre, vous n'êtes pas bilingue. Ça pourrait être une bonne résolution quand même pour 2023. Thank you, donc. T'es comme un tank. Thank you, Joe Bidon. Thank you. Prends-moi. Bidon. Bisous. Prends-moi. Ça, c'est autre chose, Agathe. En plus, c'est pas ça. Bon, n'allons pas sur ces terrains. Je vais rejoindre mon invité. Je pense que c'est la meilleure décision, la plus raisonnable. Bisous à vous. Au revoir. Alors, ça arrive. Il y a certaines femmes qui peuvent être persuadées d'être enceintes jusqu'à en ressentir tous les symptômes, c'est-à-dire le ventre gonflé. Oui, un ventre qui gonfle vraiment, des nausées, une absence de règles. Et pourtant, tous les tests de grossesse restent négatifs. Et puis, une fois que le verdict du test est accepté, les symptômes disparaissent comme par magie, comme ils sont venus. C'est ce qu'on appelle une grossesse imaginaire. Bonjour Estelle. Bonjour. Il y a eu une époque de votre vie où vous avez cru être enceinte vraiment, quoi. C'est-à-dire que vous aviez tous les symptômes que j'ai cités. C'est un doute qui a perduré pendant plusieurs cycles. Et donc, on va un peu décortiquer aujourd'hui votre tête, Estelle, pour savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là, pour peut-être aider les femmes qui nous regardent et qui vivraient plus ou moins les mêmes symptômes que vous. Vous êtes auteur d'un blog qui s'appelle « Quand maman gère ». Il s'affiche en bas de votre écran, je vous invite à aller le voir. C'est ultra intéressant. Avril 2014, vous avez 23 ans, vous quittez votre sud natal, vous allez vous installer à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie personnelle à ce moment-là? Oui. Alors, à ce moment-là, ça fait 3 ans que je suis en couple avec mon conjoint. Pour son travail, donc on doit partir dans le Nord et on fait vraiment un remake de Bienvenue chez les Ch'tis parce que j'habite vers Sanary et on a bougé vers Boulogne-sur-Mer. Donc, on est bien dedans. On est en train d'acheter une maison, on vient de se paxer. Donc,
projet bébé est un peu dans les tiroirs, mais pas du tout daté. Voilà, on sait que ça va être un peu la suite logique. Moi, j'ai créé un e-commerce dans la puériculture, donc je peux déménager facilement. Mais c'est vrai que je suis assez isolée, parce que je suis toute seule chez moi, et beaucoup de pression d'une création d'entreprise. Bien sûr, je connais. Et alors, dès que vous emménagez, vous commencez à ressentir des symptômes un petit peu particulier, c'est quelques jours avant vos règles. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces symptômes? Oui, bon, il faut savoir que je suis sous pilule, que je prends consciencieusement, parce que j'ai vraiment une peur depuis des années des dénis de grossesse. Et du coup, je suis assez attentive. Vous avez peur des dénis de grossesse? Oui, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Depuis ado, j'ai vu plein de reportages, c'est quelque chose qui me fascinait et que j'avais peur d'avoir. Je pense que ça ne m'arrivera jamais vu comment je suis attentive à mon corps. Mais voilà, c'est quelque chose qui me stresse. Donc, je la prends très bien, ma pilule. Et donc, premier cycle, mais vraiment quand je viens d'emménager en avril, je n'ai pas de retard spécifique, mais le jour d'arrivée, je me rends compte que j'ai des nausées, que je suis fatiguée, que j'ai le ventre qui gonfle, mais vraiment le ventre tendu. Si j'essaie de le rentrer, ça rentre pas, quoi. Ça me fait mal au ventre, la peau tendue. C'est pas, comme si j'avais vraiment trop mangé, quoi. Oui, c'est pas la peau tendue du mal de règles, quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment un ventre rond, tendu, comme si vous étiez enceinte de 3-4 mois, quoi, en fait. 3 mois, oui. Ou que j'ai beaucoup trop mangé, mais dès le matin, non. Oui. Et des nausées. Vraiment mal au cœur. Vous en parlez à votre conjoint à ce moment-là? Pas du tout. Je pense que c'est assez répandu. C'est les femmes qui ont la pression et la charge mentale de la contraception. Et c'est quelque chose qui me dit « Oh, je ne vais pas le stresser avec ça. Ce n'est pas encore un projet en plus. Je le garde pour moi. » Vous faites un test quand même? Oui, j'attends qu'il parte au travail. Je vais acheter un test. Je me dis « Je n'ai pas envie de prendre la tête toute la journée avec ça. Je vais acheter un test. » Et en fait, au moment où je fais le test aux toilettes, ah oui, j'ai mes règles, en fait, pas de souci. Mais donc, il est négatif, mais voilà. Et dans la journée, tout redevient normal, en fait. C'est-à-dire que là, vos règles arrivent, le ventre dégonfle, vous n'avez plus les nausées, vous n'avez plus de douleurs au sein, enfin bon, tout redevient absolument normal. Qu'est-ce qui s'est passé, les cycles qui ont suivi? Le cycle suivant, la même chose, mais donc, je vais racheter un test de gros test, je me dis, ça va tout faire partir. Il est négatif, mais j'ai toujours pas de règles. Et en fait, elles arrivent dans la nuit globalement, mais ça me laisse le temps encore de méditer sur le sujet jusqu'au lendemain. Et je sens que ça commence déjà. Le test ne m'a pas rassurée plus que ça, en fait, quoi. Donc ça commence déjà à monter un peu en crescendo, on va dire. Et le pire étant au troisième cycle. Il n'y a pas vraiment de gros retard de règles, parce que je suis sous pilule, donc c'est très calé. Mais c'est globalement le jour où c'est censé arriver et où ça n'arrive pas. Mais je suis assez impatiente, en fait, parce que j'ai tous les symptômes qui reviennent. Je commence à en avoir marre. Vous avez les nausées aussi, à chaque fois? Nausées, les seins sensibles, vraiment le ventre qui a gonflé. Enfin, je ne suis pas bien, en fait. De toute façon, j'avais même un peu des vertiges. Enfin, je ne suis pas bien. Et ça commence à m'énerver, en fait, de toute façon. Donc, je fais un test, il est négatif, il ne se passe rien. Je me rappelle des dénis de grossesse. Je me renseigne sur Internet. Globalement, quand on est sous pilule, on peut avoir en plus un cycle et que ça passe inaperçu. Donc, en fait, ça me laisse dans mon truc. Non, mais en fait, je suis vraiment enceinte. Et je suis énervée, je suis stressée. Et je me dis, le test ne me rassure pas. Je vais aller faire une prise de sang, que je fais totalement à mes frais. Je ne suis pas allée voir un médecin, je voulais que ce soit rapide. C'est vraiment dans l'urgence, il faut que je sache. Et donc, je fais une prise de sang, elle est négative, et là, je me dis, il y a un problème quand même. Là, ça fait 3 fois d'affilée que tu es persuadée d'être enceinte, ce n'est pas le cas, il y a un truc qui tourne pas rond dans ta tête, quoi. Oui, enfin, en tout cas, c'est très perturbant, ça, on vous comprend. À ce moment-là, est-ce que vous en parlez à votre conjoint quand même, à votre médecin, à quelqu'un de votre entourage? Oui, et là, je me décide, au bout d'un moment, il faut que j'en parle. J'ai l'impression que je suis un peu folle. Il y a un problème. Donc, j'en parle à mon conjoint. Je prends rendez-vous chez le médecin. Le médecin me met sous anxiolytique. Je ne comprends pas. Je ne suis pas stressée. Pas du tout. Pas le problème. Donc, ce n'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai plutôt envie de voir un psy et de tester l'hypnose. Donc, je cherche un peu. Je ne connais pas cette ville. Je viens d'y arriver. Et on m'oriente vers une hypnothérapeute, mais qui est enceinte. La bonne idée. Donc je fais quand même quelques séances, je lâche pas du tout prise, ça prend pas, mais ça me fait quand même travailler sur le pourquoi il m'arrive ça.
Et c'est assez évident que sans avoir besoin de réfléchir très longtemps, j'ai envie de fonder ma famille. Oui, c'est ça. Parce que tout à coup, en fait, votre corps parle à votre place, à la place de votre tête. C'est regarde, ça serait bien. Et l'été passe. En septembre 2014, vous allez tomber enceinte. Malheureusement, cette grossesse va se solder par une fausse couche. Fausse couche que vous traitez, évidemment. Et puis, au rendez-vous de suivi, vous découvrez que vous êtes enceinte. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une fausse couche, vous devez vous faire suivre forcément suite à cette fausse couche. Et là, on vous dit, vous êtes enceinte. En novembre 2015, vous accouchez d'Emma et c'est le bonheur. Comment s'est passée votre grossesse avec tout ce qui s'était passé avant? Est-ce que vraiment vous avez dit, oui, là, je suis à ma place, c'est vraiment ce que je voulais? Oui, je tombe enceinte après un événement assez traumatique quand même. Bien sûr. Je pense qu'elle... Déjà, in utero, elle s'est manifestée. Donc, j'avais en fait un taux BACG qui était très élevé. J'avais beaucoup de symptômes de grossesse. Là où, sur la grossesse de la fausse couche, j'avais des douleurs ligamentaires, ce qui n'était au final pas très bon signe. Là, j'avais des nausées. J'avais un goût de ferraille dans la bouche. Et j'ai surtout dormi. En fait, premier trimestre, dors. Je l'ai fait passer cette période-là. Et vraiment, j'avais la sensation que j'avais beaucoup de symptômes et que j'étais trop contente de les avoir, c'était vraiment « t'es bien enceinte, ça. Maman, je suis là ». Vous étiez habitée par la petite Emma. Qu'est-ce qui s'est passé l'été 2018, Estelle? Alors, donc tout allait bien, on décide de lancer un deuxième enfant, mais monsieur change d'avis après que j'ai retiré mon stérilet, sauf que c'était trop tard, la nature, elle s'était redémarrée à fond, et j'étais déjà enceinte, en fait. Et donc, l'annonce de cette grossesse, c'est l'effet d'une bombe, et on se sépare. Donc là, vraiment... Quelle déflagration. Comment vous avez réagi, alors, à ce moment-là? Mal. Ça a été vraiment l'effet d'un... Le ciel me tombe sur la tête. Moi, je parle d'attentat émotionnel. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je venais d'y avoir les attentats, donc c'était un peu similaire. Mais je prends... C'est un peu mon mécanisme de défense. Je prends tout ça, je mets dans un tiroir, bulldozer, j'avance et je ne m'en occupe pas du tout. Donc, je n'ai pas traité la fausse couche, je n'ai pas traité la séparation, je n'ai pas traité l'IVG. Ah oui, donc vous avez décidé de ne pas le garder. Je ne garde pas ce bébé. Décision très difficile. Et j'avance. Je rencontre quelqu'un, j'avance dans ma vie, je redéménage dans le sud. Donc, hop, on revient à la maison. Je me resépare et ça tombe encore à la rentrée, donc en septembre. Et ça recommence. Je recommence à avoir le ventre qui gonfle. Vous commencez à avoir des faux symptômes de grossesse. Ouais, mais alors là, je ne m'en rends pas compte que je vis un peu à 100 à l'heure. Je ne suis plus du tout dans l'écoute de mon corps et je suis sous stérilée, donc je ne regarde pas mes cycles. C'est un peu, c'est bon, c'est géré. Et je me rends compte, peut-être au bout de 10 jours, j'ai pas eu mes règles, en fait. Et je suis fatiguée, j'ai de la nausée, j'ai le ventre gonflé. Mais vraiment, tout qui arrive d'un coup, mais après coup. Donc, je me dis, zut, j'ai loupé quelque chose. Donc, je fais un test, mais il est négatif. Mais même en ayant le test négatif, si je mets les mains sur mon ventre, je sens mon ventre bouger. C'est-à-dire qu'en plus... Comme maintenant, vous connaissiez la sensation, puisque vous avez déjà eu vraiment un bébé. Là, vous aviez ce qu'on appelle des mouvements fantômes, quoi, en fait. Oui, je sens mon ventre bouger. C'est fou. Ça va se reproduire après, ces symptômes? Oui, tous les ans, en septembre. Clairement, en septembre, ça a pu arriver un petit peu d'autres fois, mais septembre, tous les ans, ça ne loupe pas. Comment vous expliquez ça aujourd'hui, alors? En fait, j'ai eu trois vraies grossesses et deux grossesses sur trois, donc la fausse couche, l'IVG, ont commencé en septembre. Donc, ce n'est pas très compliqué de faire le lien. Je ne m'en suis pas assez occupée, je n'en ai pas assez parlé. Mon corps me rappelle tous les ans qu'il s'est passé ça. C'est ça, vous pensez que c'est vraiment la date anniversaire qui fait qu'à chaque fois... C'est la date anniversaire. Donc là, en septembre 2022, vous avez eu aussi des symptômes? Alors maintenant, j'ai enfin pris le temps de voir des spécialistes, de voir des psys, de faire des thérapies, d'en parler autour de moi, d'en parler sur mon blog, de libérer la parole, de voir que je ne suis pas seule à vivre ça, que je ne suis pas complètement folle, peut-être un peu, mais pas complètement. Non, pas du tout, je pense. Et du coup, maintenant, en fait, je sais. Donc, ça arrive. Oui, je sais. Tu te manifestes, je le sais. Et ça repart. Je n'ai plus besoin de faire de tests. C'est ça, ça ne vous perturbe plus comme avant. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message ce matin, Estelle? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'en parler. J'ai
attendu, j'ai trop intériorisé. C'est pas à nous femmes de prendre cette charge mentale et cette culpabilité et cette pression-là. Donc il faut pas hésiter à en parler. On n'est clairement pas toute seule à le vivre. Et de consulter si ça dure, de pas hésiter à les traiter. Merci beaucoup Estelle d'avoir libéré la parole ce matin, comme vous le dites très justement, parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais de ces sujets, les grossesses imaginaires. Vous voyez, c'est la première fois, je crois, en 7 ans qu'on l'a évoqué. Alors, qu'est-ce qui se joue dans la tête des femmes à ce moment-là? Est-ce que vraiment ce sont les dates anniversaires? Est-ce que c'est ce désir d'enfant qui se manifeste au travers de signaux lancés par le corps? Nous avons un expert pour répondre à toutes ces questions. Merci. Merci. Expert qui attend vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram avec le hashtag LMDM. Et nous accueillons le docteur Hugo Bottemann. Merci docteur Bonjour. D'être avec nous. Vous êtes psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes chercheur à l'Institut du cerveau, ICM, à la Sorbonne. Vous êtes aussi co-auteur avec le docteur Lucie Joly du livre « Dans le cerveau des mamans » aux éditions du Rocher. On l'a dit, donc le corps d'Estelle semble à chaque date anniversaire lui rappeler sa fausse couche, son IVG. Mais enfin, elle avait eu des symptômes même avant tout ça. Est-ce que c'est donc bien le corps d'Estelle qui exprime ce qui se passe dans sa tête inconsciemment ou pas? L'histoire d'Estelle est très marquante, hein, parce que finalement, il y a une date anniversaire avec des symptômes qui reviennent, des symptômes de grossesse qui reviennent avec une cyclicité. Ça, c'est quelque chose qui nous montre à quel point aussi notre esprit peut influencer ce qui se passe dans notre corps. Les forces de l'inconscient, quoi. Alors, les forces de l'inconscient, en tout cas de l'esprit, sur la façon dont le corps exprime les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait. Hein. Il y a beaucoup de femmes, quand elles ont des pseudociès, c'est des symptômes qui vont revenir avec, par exemple, une date d'anniversaire. Ça peut être une date d'une mort fœtale et ça peut être une date d'un événement particulier dans la vie aussi. Puis, il y a des femmes chez qui ça survient en l'absence de date. Ça survient n'importe quand. Et la pseudociès, donc, qui désigne la grossesse anciennement nerveuse ou grossesse fantôme aujourd'hui, c'est le terme scientifique pour parler de ce phénomène, elle peut survenir à tout moment de la vie en fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, là, moi, à 48 ans, je pourrais avoir une grossesse imaginaire. C'est tout à fait possible, ouais. C'est tout à fait possible. Ça me rappellerait des souvenirs, puisque cela dit, oui. En tout cas, si ça arrive, ce sera bien imaginaire. Allons-y, Yasmine. Pas sûr, hein, Agathe. Oui, c'est vrai. Non, franchement. Oui, on connaît. On en connaît. C'est arrivé. Voilà. Ouais. Alors, une question de Lila. Elle vous demande si il y a des profils de femmes plus susceptibles de développer une grossesse fantôme. Alors, il y a peu d'études encore sur les grossesses fantômes. On essaie justement de colliger des données pour avoir beaucoup plus de données scientifiques. Ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt dans les moments de stress. C'est des femmes qui vont avoir des facteurs de vie stressants, des facteurs de conjugaux stressants, des facteurs familiaux stressants ou professionnels. Ouais. Et dans lequel, justement, il y a ces facteurs-là vont provoquer aussi des symptômes physiques. Il y a des symptômes anxieux qui vont être liés à des symptômes cardiaques, par exemple, le cœur qui bat très fort, etc. Et puis des symptômes viscéraux, typiquement la sensation du ventre qui se tord, etc. Et ça va donner aussi plus de manifestations corporelles et plus de manifestations qui peuvent être celles de la pseudo. Mais il n'y a pas de profil type, ça peut arriver à n'importe quel type de femme en fait. Aurore vous demande, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lors d'une grossesse imaginaire? Alors ça c'est quelque chose de fascinant, c'est en fait dans la grossesse imaginaire, le cerveau il décode de façon incorrecte les signaux que lui envoie le corps. Et ce qu'on retrouve très souvent, c'est des modifications des hormones de la grossesse, en fait, typiquement les bêta-HCG, la progestérone, ou alors les œstrogènes. Donc ce qu'on voit par exemple au cours des cycles, des cycles féminins classiques. Mais en fait, ces cycles-là, ils vont être mal interprétés par le cerveau, et ça peut créer la sensation pour le cerveau que finalement, il y a une grossesse qui est en train de se développer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer les signaux moteurs, les signaux musculaires de la grossesse. Donc les fibres abdominales vont s'étirer, puis avoir cette sensation que le ventre gonfle. Donc il y a quelque chose qui est très biologique aussi à la base des grossesses nerveuses, et qui est beaucoup moins psychologique que ce qu'on peut imaginer. Alors bien sûr, la psychologie, elle joue aussi. Les événements de vie, elles peuvent être importants. Mais avant tout, c'est quand même des phénomènes qui sont très, très biologiques. Est-ce que c'est la même logique que les membres fantômes? Vous savez, les douleurs qu'on peut avoir après une amputation, par exemple. Alors, il y a des ressemblances, typiquement dans le membre fantôme ou dans les mouvements fœtaux fantômes, c'est quand le cerveau s'imagine qu'il y a soit encore le membre qui est présent, ou dans la grossesse, les membres fantômes, c'est typiquement aussi les femmes qui ressentent encore des mouvements du bébé après avoir accouché. Donc ça, c'est typiquement, en fait, dans le cerveau, il y a une harmonie qui s'est faite, en fait, entre la présence du bébé et les sensations internes habituelles. Et cette harmonie, elle va perdurer un peu après l'accouchement. Et ça va faire ces sensations qui sont présentes. Donc, dans la grossesse fantôme, il y a un peu ce système-là, mais avec des mécanismes qui sont plus, quand même, endocriniens, qui sont plus liés aux hormones. Alors, je lis le message d'Aminata. Elle dit « Bravo à Estelle pour son témoignage, car quand ça nous arrive, nous sommes prises pour des folles. Est-ce que la grossesse imaginaire est synonyme d'un trouble psychique ?»
Pas du tout. Et ça, c'est très important de le signaler. Tous ces phénomènes qui sont des phénomènes un peu mystérieux hein, autour de la périnatalité, c'est pas du tout lié à une symptomatologie psychique, à une psychopathologie, à la psychiatrie. Alors, il y a les psychiatres qui s'y intéressent. Hein. Moi, je m'y intéresse comme psychiatre. Mais il ne faut pas s'y intéresser d'un point de vue juste pathologique. D'ailleurs, c'est des choses tout à fait normales. Hein. Oui, parce qu'elle a beaucoup dit, Estelle, je suis folle. Ah bah non, en fait, j'étais pas complètement folle. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Pas du tout. C'est juste le fonctionnement du cerveau, c'est en fait. Ça. C'est la façon dont le cerveau biaise parfois notre perception, biaise la façon dont notre corps exprime les choses. Donc, c'est pas du tout quelque chose de pathologique. Il ne faut pas se culpabiliser quand on a ce genre de sensation. Mais c'est quoi, c'est une alarme en fait que lance le cerveau quand il vous envoie un faux symptôme comme ça? Pas nécessairement. D'ailleurs, parfois il y a des variations, comme je vous dis, dans des moments de vie particuliers, des cycles hormonaux, et qui font qu'on peut avoir des grossesses fantômes en l'absence de tout phénomène psychologique. Donc c'est pas forcément un signal d'alarme, ça peut être juste un artefact de la façon dont le cerveau et le corps communiquent. Un quoi, pardon? Un artefact, c'est-à-dire un faux truc. Quelque chose qui survient sans forcément une cause. Un faux truc. Ben, elle me parle comme... Voilà. C'est exactement l'inverse du déni de grossesse. C'est un peu le miroir. C'est le miroir du déni de grossesse. C'est intéressant parce qu'Estelle disait qu'elle était absolument phobique du déni de grossesse depuis toujours. Donc ça voudrait dire que son cerveau a justement pris le contre-pied. Ouais. Dans le déni de grossesse, donc la femme, il y a un bébé qui se développe dans le ventre et la femme ne ressent aucune sensation, pas de mouvement fœtaux. Le corps n'exprime pas la présence du bébé. Et à l'inverse, dans la pseudo-sieste, il n'y a pas de bébé dans le ventre. Et justement, la femme ressent tous les signes de grossesse et surtout devient persuadée qu'elle est enceinte. Et ça, c'est vraiment, on a le miroir inversé. Ah, oui. C'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier la pseudo-sieste pour comprendre le déni de grossesse. Ouais. Le déni de grossesse, vous savez qu'on ne peut pas vraiment l'étudier de façon scientifique. Mmh. Une fois qu'il a été découvert, il a été levé. Et du coup, il n'y a pas moyen d'avoir accès pendant le déni de grossesse. Oui, on l'étudie par des moyens un peu détournés, notamment les mouvements fantômes ou la pseudo-sieste. Oui, c'est-à-dire que par définition, on ne peut pas faire une échographie sur un déni de grossesse. Non. Enfin, quoique, parce que, en fait, quand la patiente arrive à l'hôpital, elle a des douleurs, on fait l'échographie, on voit le bébé caché dans le dos. C'est vrai que c'est un phénomène vraiment... Fascinant. Fascinant, ouais. C'est vraiment le mot. Docteur Hugo Botman, merci mille fois d'être venu sur le plateau de la Maison des Maternelles. C'était un plaisir d'écouter votre éclairage. Vous reviendrez, j'espère. Avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu, je vous le dis. Dans quelques instants, on retrouve notre deuxième émission, émission XXL. Oui, mesdames et messieurs, ça y est. Marie Perarnaud sera avec nous, beaucoup plus long. Yasmine Ouglis aussi, beaucoup plus long. Et Benjamin Muller aura un invité. Restez, c'est la Maison des Maternelles à votre service. Retour dans la Maison des Maternelles à votre service. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 pour vous accompagner, pour vous déculpabiliser. Et on en profite pour se déculpabiliser aussi, puisqu'on est tous des parents comme vous ou des grands-parents. Marie Perarnaud, oui. Là, le SAV n'a jamais aussi bien porté son nom. Le service après-vente des bébés. Les autonomiser, mais quelle bonne idée, dites-moi donc. Oui, mais oui, j'espère que ça va aider pas mal de parents, parce que les autonomiser, c'est un peu mon objectif de vie, pour être bien, bien peinard. Oui, je me souviens qu'il y a 7 ans, vous aviez fait une chronique, comment rendre nos enfants des petits serviteurs, des petits chaouches. Moi, j'avais tout noté, et ça avait assez bien marché, il faut le dire. Yasmine Ouglis, grâce à vous, les parents, les grands-parents, peuvent impressionner leurs enfants et leurs petits-enfants, puisque... Vous nous aidez à mieux les comprendre, à nous dire ce qu'ils aiment. Mais alors aujourd'hui, autant vous dire que c'est vraiment quelque chose auquel on ne serait pas intéressé comme ça, de prime abord. On va sur TikTok, on voit ce qui se passe, et alors là, c'est une passion très étrange. Ça s'appelle le witch talk. What's that? C'est witch, ça veut dire sorcière. C'est ça, c'est un rapport. C'est un indice. Restez avec nous. Benjamin Muller. Les plus grandes passions au monde quand on est ado, le spiritisme, l'ésotérisme. Pas du tout, par exemple. Okay. Non, donc, là, on est vraiment les sorcières, les potions magiques et tout ça. Mais moi, ça me... Vous n'aimez pas? Moi, j'adorais. J'aime toujours, d'ailleurs. Mais bon, il faut que je sois accompagnée. Pas toute seule. Quand les esprits viennent me voir alors que je suis seule chez moi, ça, j'aime moins. Non, c'est bon, partez. Pas ce soir. Petite nouveauté, Benjamin Muller. Tout à l'heure, vous recevez une invitée qui va nous apprendre à nous faire du bien. Il va être question de bonheur. En fait, tout est question de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On va vous apprendre, c'est assez simple, vous allez voir, à voir le verre à moitié vide. Ça va vous changer. Non, c'est plein. Oui, du coup... Oh là là, quel lancement! Ce que j'adore, c'est vraiment le gars est convaincu que c'est ça. On va vous apprendre. Mais le pire, c'est que. Je l'avais préparé, ma petite formule, je m'étais mise pas mal, histoire de verre. Et tout est tombé à l'eau, mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas à commenter. Bien sûr. De ce fait.
cette mais médiocrité. Mais dit qu'on partait mieux, que ça allait, non. On avait passé le, dépassé ah, l'alcool. Laissez-moi tranquille. Non, non, mais en fait, non. Twitter, Facebook, Instagram, le hashtag CLMDM. Merci à tous. On n'a rien dépassé, Yasmine, rien. Marie-Père Arnaud. Oui, bonne chance. C'est l'instant tuto. Est-ce qu'avec vous, nous allons voir aussi le verre à moitié vide pour bien démarrer 2023 ? J'espère en tout cas, j'espère vraiment. Oui, alors les autonomisés, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, évidemment pas dès la naissance, mais à partir du moment où ils commencent à de toute façon vouloir faire moi tout seul ! Oui, c'est ça. Donc, des astuces que je vous ai récapitulées en vidéo et que Léa Bénet a bien voulu filmer pour vous. Regardez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur l'autonomie des enfants. L'autonomie des enfants, c'est quoi ? C'est quoi ? Ils se lèvent tout seuls, ils se préparent leur petit-déj, ils vont à l'école sans moi. Bon, bah, moi, ils ont toujours fait ça, toujours. Mytho. Alors, l'autonomie, c'est quoi ? C'est la capacité à réaliser les choses par soi-même ou à aller chercher de l'aide afin de mobiliser les ressources nécessaires pour arriver au résultat escompté. Alors nous parents avons pour mission d'aider nos enfants à être le plus autonome possible et ça, croyez-moi, c'est long et c'est difficile. Si on veut aider son enfant à être autonome, il ne faut pas faire tout à sa place sous prétexte qu'il va rater. Non, il faut fonctionner par étapes. D'abord, il faut lui montrer comment faire les choses. Ensuite, il faut faire avec lui. Ensuite, il faut le regarder faire. Et ensuite, on peut laisser faire tout seul. Si on veut que notre enfant fasse des choses et s'autonomise, il faut que les choses soient à sa portée. Les vêtements, par exemple, posés sur une chaise au sol pour le lendemain, ou bien les couverts, les bols et les assiettes posés à hauteur pour qu'il puisse mettre la table, youpi. En tout cas, plus vous allez adapter son environnement, plus il va pouvoir expérimenter des choses et ainsi s'autonomiser. Si vous voulez que votre enfant sache fermer tout seul son manteau, il faut travailler le tirage de zipette. Pour les lacets, il faut travailler les nœuds. Pour servir de l'eau avec une cruche ou un broc, il faut savoir manier l'art du transvasement qu'on peut entraîner dans le bain. Bref, entraîner sa motricité pour pouvoir l'autonomiser. Un enfant va être de plus en plus autonome et avoir confiance en lui s'il est encouragé par ses parents. Alors n'hésitez pas à valoriser ce qu'il a réussi à faire. Par exemple, le matin, alors ne lui dites pas « c'est bien, tu t'es habillé comme un grand », mais dites-lui « je vois que tu as réussi à t'habiller sans oublier de mettre tes chaussettes ». Et oui, car ce qu'on va valoriser, c'est l'effort et le processus bien plus que le résultat. Oh là là, il va tomber ! Ouh là là, tu vas le casser ! Et oui, et oui, et oui, des petites choses, des petits accidents vont arriver, mais pas de panique, votre peur ne doit pas l'empêcher d'avancer. Bien au contraire, plus il va faire des erreurs, plus il va comprendre que c'est en faisant ces erreurs-là qu'il va progresser. Et ça, c'est tout gagné. Et oui, l'autonomie, ça s'apprend, mais ça met du temps et il faut rester patient. Les choses ne se font pas immédiatement. Et autour de moi, entre nous, je connais quelques adultes qui ont du mal à être autonomes pour certaines tâches, genre vider le lave-vaisselle ou des choses comme ça. Alors, passionnant merci, votre Marie. Reportage. Merci Marie. Merci Marie. Oui. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Jamais. J'espère. Et en plus, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Alors, un petit ouvrage déjà que je vous recommande, c'est un bouquin qui s'adresse pour le coup aux enfants. Ça s'appelle « Je sais le faire ». Et dans ce livre, à chaque page, vous allez retrouver justement des petites choses genre s'habiller tout seul, se laver les dents, vider le lave-vaisselle, ma passion de vie, avec les explications comment on fait, pourquoi on le fait. Et c'est vraiment hyper bien fichu. Ça fait un peu comme un petit manuel des castors juniors. Vous voyez ? Donc ça, on valide. Alors ensuite, voilà quelques outils. Parce que oui, en fait, pour aider à l'autonomie des enfants, on peut aussi s'aider de mille petites choses, nous, parents. Le premier étant la routine. Vous savez que j'insiste beaucoup sur les routines du coucher, les routines du matin. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, instaurer une routine permet vraiment à l'enfant de se l'approprier et de réfléchir plus. Tout seul, il fait un papa, il est en mode automatique. Donc, alors celui-là, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est celui que j'ai à la maison et qui a bien fonctionné. Ça s'appelle ma routine du matin et du soir. Et à l'intérieur, eh bien, on découvre, oh, merveillance, oh, nous ne sommes plus en 2022, oh non, nous sommes en 2023, et nous allons chaque matin venir cocher petit-déj fait, habit fait, dents fait, coiffure fait, toilette fait, et le soir, bain, pyjama, blablabla, blablabla. Ça, c'est plutôt pas mal à partir de 3-4 ans. Évidemment, c'est plutôt mis en place à 5-6 ans, je suis désolée, mais ça aide vraiment les enfants
à s'approprier les choses. On peut les accompagner de fiches qui existent pour justement les aider. Alors ça, c'est, hop, regardez-moi ça, c'est Tourbillon qui fait ça, mais petit geste pour devenir autonome. Et ce sont des cartes qui accompagnent justement ces routines et qui montrent bah, comment on fait pour aller aux toilettes, par exemple. Enfin, pour aller aux toilettes, on sait comment on fait. En tout cas, pour ne pas dérouler tout le rouleau de PQ. Oui, c'est quand ça. Même pas mal. Marie, on est sur France 2. De papier toilette, pardon. Et pour les plus jeunes, j'ai trouvé ça chez les ateliers Cézanne. Ce sont des petites routines, vous savez, qu'on vient... alors, il y a écrit, par exemple, je range ma chambre et mes jouets, on peut rêver. On vient déplacer la petite perle une fois que la routine est faite. Ça, c'est plutôt pour les plus jeunes. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, je m'habille, je me fringue. Eh bien, dans quoi je peux investir pour que ça soit plus simple? Les chaussons debout, par exemple. Vous voyez qu'il y a été ajouté à l'arrière une petite languette, ma foi, formaline, et un espacement formalin pour que l'enfant puisse mettre ses chaussures tout seul. Et oui, il existe dans les vêtements plein de petites astuces. Par exemple, chez Verbaudet, cette doudoune qu'on peut enfiler dans ce sens ou dans l'autre sans que ce soit un problème. Ah. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Carrément. On évite les... Bon, après, c'est du 2 ans. On évite les jeans avec des gros boutons. On prend des pantalons élastiqués. Oui. Oui. Voilà, ça c'est pas mal. Pour les ceintures, par exemple, je vous ai dégoté une ceinture made in France qui s'appelle Libelté. Regardez, oui, petit jeu je de mots. Vous avez dégoté une ceinture made in une France. Une ceinture sans boucle, sans nœud pour les enfants. Elle embellit, qu'elle embellit. En plus, aurait du mal à les enfiler. Et en plus, elle est jolie. Elle est très jolie. On la met, bon, bah, là aussi, c'est du 2 ans. Hein, on la met autour de soi et puis on va. Un petit peu trop de nouvel an, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et on va venir l'installer tout facilement, sans boucle ni nœud. Donc ça, ça facilite évidemment le boulot des enfants. En salle de bain, eh bien, on prend des petits gants pour se laver tout seul. Ça, c'est sympa. En cuisine, ma passion de vie, le petit opinel. Ça, il faut absolument que vous le procuriez. Alors ça, c'est super. Pourquoi? Bah parce que justement, on peut autonomiser son enfant en cuisine. Alors, je vous ai mis le modèle du dessus qui coupe un petit peu plus, mais celui-ci, à partir de 4-5 ans, c'est top. On a le couteau avec le petit rond-rond pour mettre le doigt pour ne pas se couper. On a le protège-doigt, et ça, c'est quand même pas mal pour tenir, par exemple, la carotte qu'on irait émincer. Et on a le rappeur, avec là aussi l'éplucheur, l'économe, comme on dit par chez nous, parce que le rappeur, c'est plutôt Joey Star. Et on va, ou comme en drill, parce que j'ai quand même les refs de Yasmine. Oui. On va venir éplucher là aussi sans se faire mal aux doigts. Et je termine avec l'extérieur. L'extérieur, je vous dégaine ma biclounette, ma trottinette Glober. Alors vous allez me dire pourquoi l'autonomie? Parce qu'avec ce type d'outil évolutif, on va pouvoir installer son petit qui va se tenir et on reste maître de la situation. C'est un peu le symbole de l'autonomie. L'enfant a l'impression de faire seul, mais on l'aide. Et puis petit à petit, on va ôter différentes choses pour qu'il finisse par faire la trottinette tout seul, notre petit bébé. Quelle embellie, mais quelle embellie. Et ça, c'est bien. Oh, quelle embellie. Non, mais voilà. Je vais vous dire, Marie, je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Je ne sais pas. Bah rien. Bah rien. Voilà, en tout cas, on aurait des enfants qui ne seraient pas autonomes. Mais oui. Mais et moi, j'ai bien retenu, vous m'avez dit ça il y a quelques années, le couteau qui coupe, parce que j'entends certaines mères là qui nous regardent sur leur canapé en disant, mais moi, jamais je donne un couteau qui coupe comme ça à mon enfant de 3 ans. Si, parce qu'un jour, il faudra bien qu'il coupe. Et donc, autant l'accompagner, n'oubliez. C'est comme les barrières d'escalier. Il vaut mieux peut-être leur apprendre à monter et descendre que les empêcher jusqu'au jour où on n'a pas fermé la barrière d'escalier. Et là, c'est le drame. Et là, en tout cas, il peut y avoir un boum-boum sur les fesses. Benjamin, c'est l'heure de votre invité. Je vous donne des indices. Alors, un mot. Résolution. Très bien, c'est parti. L'invité de Benjamin. En 3. Toujours positif. Une invitée donc qui va nous aider, et ça c'est quand même super. Bonjour. Bonjour. Eh ben déjà voilà. Voilà. Elle va nous aider à aller mieux en 2023. Vous arrivez, on va mieux. Ben, c'est vrai que souvent les gens ne disent pas bonjour déjà. Ça passe pas. Et oui, le bonjour c'est la première étape. Premier conseil, voilà. Bonjour Sarah, alors on est ravis de vous accueillir. Vous allez nous aider à neutraliser les émotions négatives de la vie, le stress, la fatigue, la morosité, l'anxiété et les angoisses. Beau programme. Vous êtes conférencière spécialisée en psychologie positive appliquée. Il faut déjà qu'on parle de ce que sont les émotions négatives que l'on connaît tous et qui peuvent nous pourrir la vie au quotidien. Vous avez décidé de prendre le problème à l'inverse dans ce livre qui s'appelle I Feel Good. Je ne sais pas ce que ça veut dire. I Feel Good. C'est aux éditions de la Rose. Il va te traduire. Cultivons nos émotions positives. Est-ce qu'on peut déjà dire c'est quoi les émotions positives? Oui, alors en psychologie positive, qui est donc la science du bonheur, on identifie 10 émotions positives fondamentales. Donc on a évidemment la joie, la gratitude, l'amour. Ça, c'est peut-être parmi les plus puissantes, en tout cas celles dont les effets ont été les plus démontrés. Mais on a aussi la sérénité, la fierté,
L'admiration, l'inspiration, l'espoir, la confiance, l'émerveillement, la gratitude. Voilà. Bref, toutes les émotions qui font que la vie est belle. Exactement. On ne va pas se mentir. Et dans une journée, vous rappelez... Non, ne vous mentez pas. Moi, je n'aime pas mentir. On passe d'une émotion à l'autre. C'est la météo émotionnelle qui évolue constamment. Oui. Expliquez-nous ça. Mais en fait, c'est ça. On est des êtres humains avec des émotions qui fluctuent. On a des émotions négatives. Il ne faut surtout pas chercher à les éliminer. On a aussi ces émotions positives qu'on peut chercher à amplifier dans nos journées. Et les émotions négatives, je tiens à le dire aussi, le but, ce n'est pas de les supprimer. Alors voilà, vous expliquez. Pourquoi on ne doit pas supprimer typiquement la peur ou l'angoisse? C'est pas possible. Hein. Déjà, ce n'est pas possible. Donc, voilà, à part si on est un psychopathe ou un cadavre. Donc globalement, on n'a pas trop envie. Je suis l'un des deux. Mais je dis pas que... Donc déjà, ce n'est pas possible. Et en plus, ça ne serait pas souhaitable parce qu'elles sont vitales, elles sont essentielles. Heureusement qu'on a peur quand on traverse et qu'une voiture arrive rapidement. C'est ce qui va aussi nous sauver la vie. Donc ce n'est pas souhaitable. En revanche, ce qui est important, c'est de développer une hygiène émotionnelle. De la même façon qu'on a une hygiène corporelle, c'est aussi important d'avoir une hygiène émotionnelle. Et donc, il y a trois piliers, hein, globalement. C'est identifier les émotions dès qu'elles se présentent. Donc, on est à l'écoute des signaux de notre corps. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Hein. Dès le plus jeune âge. En fait, on peut l'apprendre en même temps qu'on l'apprend à nos enfants, parce que souvent, on n'a pas appris ça à l'école. Donc, j'identifie ma respiration qui se modifie, mon rythme cardiaque, ma gorge qui est nouée, mon ventre qui est... Voilà, tout ça, ce sont des signaux qu'il y a une émotion négative qui est en train de naître. Donc je l'identifie, j'essaie de mettre un mot dessus, un mot le plus précis possible, ça c'est aussi important. Et puis ensuite, j'essaie de comprendre. Et là, c'est important de ne pas confondre le déclencheur avec la cause profonde de l'émotion. En fait, s'il y a une émotion négative, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est un peu comme un panneau stop ou attention. Donc on s'arrête et on essaie de comprendre ce qui se passe. Alors typiquement avec les enfants, c'est formidable d'essayer de faire ça, même si de temps en temps, enfin, vous connaissez bien le quotidien avec la fatigue, le boulot, la lessive, les courses, etc., etc., etc. Quand un enfant va faire une colère, c'est assez compliqué pour les parents de se dire quelle est l'émotion qui te traverse sans être dans la caricature. Mais comment on fait néanmoins pour les orienter vers cette réflexion-là, nos petits ? On les aide à mettre un mot. Tu te sens en colère, tu te sens furieux ou agacé, c'est pas pareil. On essaie de l'aider à mettre un mot, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es en colère. Et peut-être il est en colère parce qu'il y a une injustice, ou peut-être qu'on lui a dit qu'on allait ou faire quelque qu'il chose. Est frustré, il est frustré, ou alors on n'a pas respecté notre parole. Et à l'inverse, quand il a un grand moment de bonheur, notre enfant, il faut aussi lui dire là comment tu vis le moment, etc. Et oui, là tu te sens joyeux. Tu mais est-ce qu'on n'est pas du coup tout le temps dans l'analyse et qu'on s'empêche de vivre le moment tout présent? Tout le temps, évidemment, le but c'est pas d'analyser tout ce qu'on vit. C'est vrai que les émotions positives, il n'y a pas grand-chose à faire à part les vivre, les savourer, peut-être les amplifier. Et pas s'empêcher de les exprimer, parce qu'on s'est souvent empêché. Même en tant que parent, je suis contente, je peux sauter de joie et je peux dire je suis trop contente parce que je me sens trop bien, j'ai une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est juste ça. Mais les négatives, mettre des mots dessus, essayer de les comprendre et agir si besoin en les régulant. Et ça s'apprend. Dans le livre, je détaille beaucoup de techniques de régulation. Il y a énormément de techniques. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressée, qui va intéresser beaucoup de monde. À propos du couple, on doit éviter les quatre cavaliers de l'apocalypse pour que le couple aille bien. Ça fait peur, je sais. Rien que ça, mais écoutez, c'est le prix à payer pour que son couple aille bien. Est-ce qu'on peut les déterminer? Il y a le mépris, la critique, l'obstruction et l'attitude défensive. Est-ce qu'on peut dire un mot sur chacun? Le mépris, déjà. Le mépris, très concrètement, votre conjoint parle et vous faites... ou alors vous levez les yeux au ciel, des petits trucs comme ça, des petits indicateurs. On a peut-être déjà tous fait. On l'a tous fait. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces quatre indicateurs, ces quatre comportements, ils prédisent une rupture à 92% s'ils sont combinés dans les prochaines années. Donc le mépris, on a le mépris. C'est non. Voilà, c'est quand même le mépris. Ensuite, on a la critique. Bon, on sait tout ce que c'est d'être dans la critique. Attention, on est tous à 202 là. D'être dans la critique, plutôt que d'être dans l'éloge et dans la collaboration. Ensuite, on a l'obstruction. L'obstruction, c'est un peu plus masculin. Quand vous y allez, arrêtez. Mais le suivant sera un peu plus féminin. L'obstruction, c'est imaginez, vous avez envie de parler des problèmes de votre enfant à l'école et votre conjoint vous répond ça va. Ça va, on en a déjà parlé. Écoute, on en a parlé mille fois. Il est chez moi. Ouais, il a eu des mauvaises notes. Ça va bien. Alors, vous avez intellectualisé, ça va. En fait, c'est de mettre fin à la conversation. Exactement. Il met fin à la conversation alors que vous aviez besoin d'en parler. Donc ça, c'est de l'obstruction. Et puis la dernière... l'attitude défensive. Voilà, c'est l'attitude défensive qui est un peu plus féminine cette fois, comme ça, c'est l'égalité. Et donc là, c'est par exemple, votre conjoint vous dit « Ah non, mais attends, mais t'es toujours en retard quand on est invité quelque part. » Et vous, au lieu de prendre ce feedback, vous dites « Ah, de toute façon, toi, tu fais rien à la maison, c'est normal que tu sois prêt avant moi. Voilà. » Donc, vous vivez chez moi. Non, je confirme. Donc, évidemment, ça nous arrive tous, ces comportements, mais s'ils sont combinés... Combinés et trop présents, il faut faire attention. Les cavaliers de l'apocalypse. Alors, c'est un livre à mettre entre toutes les mains.
Et pour vous le prouver, je vais en offrir à chacune d'entre vous. Parce que j'ai envie que vous soyez heureuses les unes les autres, même vous, Marie. Merci. Qui connaissez bien les émotions négatives. Pour neutraliser le stress et rayonner, ça, c'est pour moi, c'est bien de l'avoir dès début 2023. Merci beaucoup. Chaque jour, nous allons à votre rencontre, nous allons découvrir votre quotidien. À partir de maintenant, on va faire ça tous les jours en 2023, que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents, oncle, tante, vous soyez même enfant, adolescent, en tout cas, même professionnel de la parentalité. Vous allez lister pas. Le monde entier comme ça ? Oui, bibliothécaire, si vous travaillez dans les métros, dans les RER, si vous travaillez à Pôle emploi. Aux assurances, c'est... n'oubliez pas, oui. Très important. C'est ça. Bref, on est à vos côtés, quoi. Merci beaucoup. Comment être père lorsqu'on perd la vue ? Ça, c'est quand même une question qui parle du handicap en général. Ce matin, je vous propose de découvrir le portrait de Malik. Il est rappeur, Malik, depuis l'adolescence, Yasmine. Il est atteint d'une rétinite pigmentaire. C'est une maladie qui lui a fait perdre aujourd'hui 90% de son acuité visuelle. Un handicap, vous allez voir, qui fait partie totalement de son quotidien, qui n'était, et de celui de sa femme, évidemment, de sa famille. Sa femme n'était pas là le jour du tournage. Oui, je sais, je galère. Bref, vous allez aussi rencontrer ses enfants. Driss, qui a 11 ans, Fanny, 19 ans. C'est Bérénice Gabriel qui est allée les filmer à Trappes. Je m'adresse à toi, mon fils Driss. Tu le sens qu'aujourd'hui, je suis si triste. Papa perd la vue peu à peu. Te voir évoluer pas à pas. J'aimerais te voir sourire encore, 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 encore une fois. Papa met des lunettes noires, c'est pas... J'ai écrit la chanson Driss après sa naissance. Et j'ai envie de le rassurer quelque part. Lui dire qu'en même temps que ce serait lui qui me permettrait de tenir, mais aussi que je serais là, je serais fort. Que ce soit pour lui ou pour le reste de la famille. C'est vrai. Il imite celui qui a sifflé en premier. Ah, d'accord. Il a fait un signe de trancher la tête. Là, il imagine comme dans le premier, le combat. Là. Ah, ce qu'il va faire juste après ? D'accord. Ouais. Quand on regarde la télé, bah, je vais lui décrire ce qui se passe. Il va pas me demander qu'est-ce qui se passe. Je lui dirais. Ou quand parfois il mange, on lui dit ce qu'il a dans son assiette. Même s'il y a énormément de choses qu'il peut faire tout seul et qu'il préfère aussi les faire seul, c'est important d'apporter une aide, de lui apporter une aide, de lui montrer qu'on est là, mais sans non plus trop l'étouffer, on va dire. Sur quoi exactement ? C'est sur une musique. C'est sur. Dans la musique, par exemple, il faudra trouver. La strophe, le refrain, le couplet, l'interlude, des choses comme ça. Il faut déterminer chaque partie, en fait, oui. d'une chanson. OK, d'accord. L'interlude et la strophe. Et rédiger, sans faute. Okay. Et la strophe ? Une strophe, S-T-R-O-P-H-E, C-apostrophe-E-S-T, comme C-O-2-M-E, un couplet, C-O-U-P-L-E-T, virgule. Pourquoi t'es belle ? Parce qu'il ne peut pas savoir comment j'écris, sinon il ne voit pas comment j'ai écrit. Pour savoir si j'ai bien écrit les mots. Ce n'est pas parce que j'ai un handicap que je vais être plus cool avec l'aspect scolaire ou l'aspect éducation. C'est pas... Il n'y a pas pour moi de lien de cause à effet là-dessus. Quand on commence quelque chose, on le termine. On entamine un parcours scolaire, on va jusqu'au bout. C'est important. Je n'ai pas intérêt à faire de faute, mais ça va quand même. Pas trop sévère. Quand on part en vacances, il a fait de la tyrolienne avec nous, il a fait du quad, il a fait plein de choses, du parachute ascensionnel, il a fait plein de choses qu'on aurait pu dire bah, c'est un peu compliqué, mais il le fait quand même. Depuis tout petit, je l'admire et je le regarde tout le temps. Tout ce qu'il fait, je le recopie. Faut qu'il dribble un peu quand même. Moi, je suis avec Fanny, moi. Là, j'entends Fanny, là. J'arrive encore à faire une passe ou deux de temps en temps. Et quand on va voir les matchs, en règle générale, j'essaie d'avoir quelqu'un quand même avec moi. Donc là, je me suis familiarisé aussi avec deux, trois parents qui me décrivent un peu les matchs. Comme ça, ça me permet de suivre et de faire comme les autres parents, c'est-à-dire d'encourager. Certains parents, d'ailleurs, aussi encore du club, n'ont pas encore compris que je ne voyais pas en fait, autour du terrain. Donc j'y m'y mets et puis je fais des commentaires. Même quand je suis tout seul et qu'il n'y a pas de parents autour de moi, je fais des commentaires. Dès que j'entends son oncle, l'entraîneur a gueulé, je reprends comme si j'avais vu l'action. Mais
c'est un subterfuge. C'est la plus grande démotivation, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma femme. Et c'est eux que j'ai envie de rendre fiers. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action et grâce à eux, je peux le faire. Merci Malik de nous avoir accueillis chez vous. Voilà qui met du baume au cœur en ce début d'année. Yasmine, est-ce que vous êtes prête? Non, mais écoutez, j'ai envie de dire, malheureusement, on va y aller parce qu'il faudra rendre l'antenne à un moment. C'est ça. Vous nous présentez, vous nous aidez à mieux comprendre nos adolescents au travers des mouvements qu'ils adoubent. C'est voilà. Très bizarre là, cette fois. Oui, je pensais que Adoub était un mot à placer ouais, voilà. En ce premier jour de 2023, alors, non, mais attendez, troisième. Il y a un sujet, tout à l'heure, oui. Vous m'avez dit, parce que moi, le spiritisme, à notre époque, à nous, effectivement, il y avait le spiritisme. Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais fait vous ça. Vous avez jamais fait tourner les tables et les deux scrabbles et tout mais ça. C'est hyper flippant, vous avez aimé ça, vous Moi, j'ai adoré, et un jour, j'ai appelé mon grand-père, et la lumière s'est éteinte. Mais non. Si toute ma vie, m'en souviendrait. Vous jure. D'ailleurs, Non, j'ai dit, es-tu là, grand-père? La lumière s'éteint, je faisais moi la maline. Ah ben, on a tout rallumé, terminé, rangé les trucs de Scrabble, au revoir. Mais meilleure activité de l'époque. Moi, j'étais trop une flippette. Donc bon, j'aurais pas été concernée par leur spiritisme d'aujourd'hui, parce que c'est là où je veux en venir. C'est pas à nous. Nous, en fait, on s'en fiche un tout petit peu. Ce qui compte, c'est vos ados. Donc si votre ado achète des bougies, des cartes, des pierres, avec son argent de poche, il y a quand même de fortes chances qu'il fasse partie de ces jeunes attirés par l'ésotérisme. Donc, j'ai quand même été voir dans le dictionnaire, l'ésotérisme, la définition, c'est ça. Partie de certaines philosophies dont la pratique devait rester inconnue des profanes. Je ne suis pas beaucoup plus avancée, moi, personnellement. Donc, pour le plus grand nombre, donc moi, ce sont les sciences occultes, on est d'accord, qui font appel à des forces mystérieuses. Ça fait quand même penser à ça, non? Oui, c'est ça. On est OK. C'est un peu Buffy contre les vampires, vous voyez? Ouais, moi quand je vous dis ésotérisme, du coup ça vous pensez à quoi? Moi spiritisme. Spiritisme. Mmh. Communiquer avec l'au-delà. Oui, l'au-delà, le fantôme, les esprits quoi. C'est nul. Je note, non. Bien sûr. On va pas y aller par quatre chemins. En gros, ils sont de plus en plus attirés par la sorcellerie. Voilà, c'est le mot, je l'ai dit, le mot. Harry Potter qui a créé ça ou quoi? Le mot me fait peur, mais je le dis. Voilà, il y a sorcellerie et sorcellerie. Donc il y a la sorcellerie d'Harry Potter. Alors moi, comme je connais assez mal finalement Harry Potter, voire pas du tout, il s'agit de quel type de sorcellerie d'Harry Potter? Je sais pas moi. C'est la magie. Ouais, mais alors on parle souvent de magie blanche et magie noire. Il y a les deux. Ah, il y a les deux. Il y a les méchants et les gentils quand même. Ah, ils font les deux. Ouais. D'accord. Vous n'avez jamais lu ou vu? C'est la guerre des magies, c'est la guerre du bien et du mal. Ouais. Du bien et du mal, d'accord. On est quand même Vous devriez quand même, c'est pas mal. Non. Et j'ai le droit. On a peur d'avoir peur. Je boycotte, je sais pas, j'aime pas trop moi tout ça. Mais donc dans tous les cas, on sait que... Boycott Harry Potter. Ouais. Je vais lancer un courant. On va monter une sauce. C'est ça qui va se passer. La magie blanche, née la magie noire, d'accord qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Ça, je tenais à le rappeler, même si nos ados adorent ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce courant? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur TikTok, je vous l'ai dit, le hashtag WitchTok, mais j'avais vraiment envie de savoir pour eux en quoi ça consiste. Donc le hashtag, c'est 34 milliards de vues, d'accord? Donc plus que l'acné, parce que l'acné, je crois que c'était 33 milliards de vues, plus que Benjamin Muller, qui est à 29 milliards de vues, le hashtag Benjamin Muller. Donc il se passe ça, vous voyez, donc on a des room tours, ce qu'on appelle des room tours, ils nous montrent leur chambre avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a de l'encens, souvent, il y a des bougies, il y a des pots en verre comme ça, avec des herbes, il y a des espèces de grimoires. Donc, il peut y avoir des mythes de nourriture là-dedans. J'ai vu beaucoup de mythes. Direct. Tu vois beaucoup, je vois mythes. C'est bizarre un peu quand même, non? Voilà, il y a du feu, tout ça, c'est bon, c'est des rituels. C'est sympa. Ouais. Non, je ne juge pas. J'ai l'air de juger. Non, il faut juste que ça reste du folklore, quoi. Oui, voilà. Bon. Donc, du coup, on a été à la source. J'ai été demander à Grégory, qui a 17 ans, qui pratique la sorcellerie, ce que c'est exactement et ce qu'on lui demande. Est-ce qu'il a des demandes de jeunes? Parce que c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux. On a envie de l'écouter? Écoutons-le. Allez, Greg. Beaucoup de jeunes qui me suivent et qui me demandent beaucoup de rituels pour retrouver l'amour, pour trouver le partenaire idéal, pour recevoir des nouvelles de son, de sa crush. On peut appeler des divinités, des déesses, un dieu, ou sa propre énergie. On peut aussi appeler l'énergie universelle ou l'énergie terrestre pour un rituel. Il y a un rituel qui est très très connu sur TikTok, sur le WitchTok, qui est les spell jars, les rituels avec des bocaux. Donc ce sont des plantes que l'on peut mettre dedans, des clous de girofle, du miel, des talismans que l'on a fait soi-même dans les bocaux.
Et le plus important, c'est mettre l'intention et l'énergie nécessaires dans le spell jar, dans le bocal. Les bocaux, les spell jars, tout ça, what's that is? À quoi ça ressemble? Spell jar, Benjamin, un indice? Spell jar. Spell. Spell. I put a spell on you. Okay. I put a spell on you. Voilà. Donc on va voir ce que c'est. Je vous ai trouvé des images parce que il l'a dit, Grégory. Ils mettent de l'intention, des énergies dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des choses dedans. Donc il y a des rituels pour l'amour et la confiance en soi. On va mettre du miel, du romarin, de la lavande. Évidemment, on purifie sa fiole avant. Pour la chance, on va mettre de la cannelle. Oh là là, moi je vois la spi derrière. Okay. Toujours du laurier, sachez-le. Et on ferme toujours ça avec de la cire. Voilà. Il l'a dit, Grégory, ils mettent des intentions. Voilà. Ils veulent que ça leur apporte quelque chose, en fait. C'est ça. C'est eux, ils croient en ça, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, c'est des potions. En fait, on va se dire que c'est des potions. Maintenant, ce que je tenais à vous dire, quand même, c'est que la plupart des witch talkers à qui j'en ai parlé m'ont quand même alerté sur quelque chose. C'est que eux, ça leur fait du bien parce qu'ils mettent quelque chose, des énergies, des intentions à l'intérieur de ça, mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même un certain nombre, on note des dérives sectaires. Il y a certaines personnes qui profitent de nos jeunes sur les réseaux sociaux, de cette influence qu'ils peuvent avoir sur eux. Donc si vos enfants pratiquent et que vous voyez qu'ils commencent à se couper un petit peu de la famille, à avoir un comportement étrange, n'hésitez pas surtout à contacter Lunatfi, parce que c'est grave, ça peut être vraiment très très grave. Ça se voit que c'est... Merci Yasmine. Vous croyez que vous êtes libérée là? Là vous vous dites, tiens, bah, c'est bon, c'est je fini, pars à la pharmacie. C'est fini, à parler. Non, c'est pas fini les gars, pas du tout. Vous le savez, cette émission ne pourrait pas exister sans vous et sans ce froid glacial aussi. Hein, qui vient c'est la magie noire de Yasmine. C'est la magie noire, je sais pas, elle a dû faire une potion, mais tout à coup, c'est la Sibérie dans la maison des maternelles. Un appel à témoin, Benjamin. L'arrivée de cet enfant devait apporter de la joie dans la famille, mais déjà pendant la grossesse, des tensions sont apparues dans votre couple. Les premières semaines de bébé n'ont rien arrangé et vous vous êtes séparés très peu de temps après la naissance, ce qui arrive à énormément de couples. Venez partager avec nous sur ce sujet, vous nous écrivez lmdm@p2l.com. Et chaque jour, vous allez nous proposer des livres, des films, des activités culturelles, etc. Essayez de me convaincre pour savoir lequel je... Alors, c'est je moi prends. Qui commence. Allez-y. Et je débarrasse un petit peu tout ça pour qu'on puisse faire venir la caméra. Voilà, oui. Reprenez toutes vos, voilà, vos livres, etc. Donc, ce livre, c'est plein phare sur les balbuzards. Alors, pourquoi je vous présente ce livre? Parce que ça fait partie de mes résolutions de cette année. J'ai envie d'aller un petit peu plus vers un comportement éco-responsable. Ah, oui, Yasmine. Voilà. Bien, et donc, si moi je le fais, j'ai envie quand même d'infuser mes enfants. Et donc là, c'est l'histoire de trois enfants qui ont l'habitude de partir en vacances avec leurs parrains dans un endroit pour observer les oiseaux migrateurs. On d'accord. J'ai de tout détailler de l'histoire et tout ça. Hein. Ça c'est juste pour vous. Vous avez déjà perdu. Je pense que vous n'avez pas gagné ce coup-ci. Bon, ils ont l'habitude d'aller là-bas pour observer des oiseaux. Sauf qu'ils arrivent et en fait, ils voient un oiseau blessé. Il y a très peu d'oiseaux. Ils se demandent ce qui se passe. Voilà. Donc, ils se demandent ce qui se passe. Ils rencontrent une personne qui fait partie d'une association et qui leur dit on va enquêter. C'est une enquête. Non, mais j'arrête. Non, je suis passionnée, arrêtez. Voilà, donc ils vont enquêter et ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a un établissement, une boîte de nuit qui a ouvert et que du coup, les lumières que ça projette la nuit, et ben du coup, les oiseaux ne peuvent plus. Voilà, ça les empêche, ça les fait se cracher, tout ça. Donc, ça va montrer aux enfants que. La pollution lumineuse. Exactement, la pollution lumineuse la nuit, toutes les bonnes habitudes. Mais il est 13h, Julien Bougie qui arrive. Merci. Mais c'est super bien d'alerter c'est très bien d'alerter les enfants sur la pollution lumineuse parce qu'on s'en rend pas bien compte. Ouais, merci Marie. Je vous en prie. Marie, on va parler présenter son livre. Pollution lumineuse, c'est moi. Alors, Le petit théâtre d'ombre, les trois petits cochons aux éditions La Martinière. Alors, c'est un livre que vous allez adorer lire le soir à la lumière de la lampe torche. Oh là là. Heureusement que vous avez des téléphones portables. Sans faire de spiritisme, bien sûr. Bah, bien sûr. Alors, le principe de ce livre, c'est que l'histoire est écrite évidemment sur les pages. Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. En plus, là, elle est un petit peu rigolote, donc c'est vraiment très sympa. Le petit plus, évidemment, c'est qu'à chaque page, vous avez, ça va vous plaire Yasmine, un pop-up. Oh là là. Un pop-up qui apparaît et qui émerge. Dans lequel nous allons pouvoir glisser, Benjamin, allez-y, une petite lampe torche pour pouvoir projeter, alors là, évidemment, avec les lumières du plateau, on ne s'en rendra pas bien compte. Ah, les images, pouvoir projeter les images au plafond. Donc, les enfants qui savent lire tout seuls peuvent lire tout seuls en autonomie, rapport à mon sujet du jour. Et si, évidemment, vos enfants ne savent pas lire, eh bien, c'est l'occasion de plonger la pièce dans les ténèbres et puis de lire de manière un peu magique les trois petits cochons. Voilà un ouvrage que je vous recommande chaudement pour mettre un peu de magie dans vos chaumières. Alors, Agathe, vous connaissez, vous vous dites, je vais choisir le livre de Marie qui était super. Là, franchement, pourquoi pour le coup, pourquoi, pas pourquoi du tout. Pourquoi je choisirais pas le mien? Parce que c'est l'oiseau mort, ça m'a... Alors, c'est moins son style. Okay. Moi, ça va être encore mieux. Pourquoi? Parce que vos fils
ils ont du goût. Donc je vous présente un livre de goût. Le bouillonnant catalogue des pirates, c'est chez Margot, c'est magnifique. L'histoire est simple. Barbe Noire écrit à votre enfant directement. Donc il écrit à Gaspard, votre fils. Et il lui dit, Gaspard, il faut que tu m'aides. On va créer ensemble un équipage de pirates pour récupérer un grand trésor. Et pour ce faire, il va présenter donc à votre fils toute une batterie de pirates. Avec leur profil. Ah, regardez, regarde le dessin là. C'est alors, c'est vraiment son livre parce qu'il y a une carte qui est tombée. Oui, c'est une carte de 1000 bornes. Oui. On l'a fait avec mes enfants. Donc il y a le portrait de chacun des pirates, sachant qu'au départ, on se dit tous qu'ils sont ultra méchants. Et en fait, bon, bah, ils sont tous plutôt mignons, quoi. Je veux dire, ça fait pas peur à vos enfants. Un livre qui a donc toutes les qualités du monde aux éditions Margot. Alors, encore le mieux. Celui de Marie. Ouais. Le prénom du jour. Moi, je vais vous dire un truc. En bonne perdante. Chaque jour, on vous donne des idées de prénoms. Vous savez, si vous êtes enceinte et tout, ça peut vous aider. Ah oui, oui, oui. Le prénom du jour. C'est Apolline. Ah, oui. Apolline. Alors, vous ne savez pas d'où ça vient. Apolline, c'est d'origine grecque et ça signifie celle qui inspire. Enfin, je trouve ça bien de s'appeler Apolline, du coup. Et d'être inspirante pour les gens. C'est un prénom doux et poétique, tout droit dérivé de... Apos. Apos. Non, Apollon. Apollon. Ah, bah, évidemment. Il y avait un indice quand même. Hein. Et bah oui. Sainte Apolline fut martyre à Alexandrie. Ouais. Elle a été persécutée. Oui. Bon, ça, c'est pas tout à fait... On m'appelait Apollon quand j'étais plus jeune. Sympa, sympa. Ce prénom, il a été très rare en France jusque dans les années 90. Il y a eu un pic en 1993. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apollo 13. 1993. Apollo 13. Voilà. En tout cas, depuis, il est bien remonté, ça je vous rassure. On l'a fait le 9 février. Ouais. Et une Apolline célèbre, vous en avez une. Apolline de Malherbe, ça c'est certain. Voilà, il y en a une laquelle. Hein, Apolline Dreyfus. Je ne connais pas. C'est une nageuse de natation. Apolline Dreyfus, regardez comme elle a son petit ton. Une petite prétention. Finalement, je prends le livre de Benjamin. Apolline Schmitt aussi. Oui, c'est Apolline Vandenbrück, la fameuse sculptrice que tout le monde connaît et qui est flamande, qui habite à Vandenbrück. Merci beaucoup, Marie. Merci, Yasmine. Merci, Benjamin. On va se retrouver demain, mais en attendant, si vous avez raté des émissions, je vous invite à aller sur France.tv en scannant le QR code qui s'est affiché en bas de votre écran. Comme ça, vous avez tous les thèmes qui vous intéressent. Et puis toutes les émissions, surtout. On ne peut pas être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se retrouvera donc chaque matin à 9h25 en 2023 pour notre plus grand plaisir et j'espère le vôtre. D'autant que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Est-ce que là, pour les vacances de Noël, je peux vous dire les audiences, ça y allait, quoi. Bienvenue à Apolline et à tous les bébés du jour. On se quitte avec eux pour mieux se retrouver demain. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar is mine. I feel